Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo où cette fois-ci on va parler de serviettes hygiéniques lavables. Alors j'ai eu l'occasion de tester les serviettes hygiéniques lavables sur 2 cycles, sachant que si vous n'avez pas vu ma vidéo sur la pilule, j'ai arrêté la pilule en janvier cette année, donc je vous mettrai la vidéo dans le petit i qui est juste là. Donc déjà, pourquoi j'ai décidé de tester les serviettes hygiéniques lavables? Alors comme je vous le disais dans une vidéo, je suis tombée sur la vidéo de AIM qui expliquait voilà tout ce qu'il y avait dans les serviettes hygiéniques jetable, c'est-à-dire une composition qui n'a absolument rien à faire sur nos parties génitales, notamment des ingrédients cancérigènes. Donc voilà, je me suis dit pour le retour de mes règles, j'ai envie de passer au naturel, déjà d'arrêter les hormones, donc la pilule, et aussi d'arrêter les choses nocives pour mon corps tout simplement. Du coup je me suis dit on va pas faire les choses à moitié. J'ai eu l'occasion d'avoir un petit partenariat avec la marque Dans Ma Culotte qui fait des serviettes hygiéniques lavables aux motifs magnifiques. Alors voici ce que j'ai reçu. J'ai reçu 3 serviettes lavables de la marque Dans Ma Culotte. J'ai reçu une très grande serviette, comme vous voyez, elle est plus grande que ma tête, pour la nuit, que je pense que je porterai en journée, puisque avec des règles abondantes, je peux vous dire que ça envoie du lourd. Donc c'est la taille L. Ensuite, on a ici une petite taille M pour les flux normaux. Et on a en taille S pour l'ovulation, pour s'il y a des pertes blanches, etc. Une fois que votre serviette est utilisée, vous pouvez la rincer à l'eau froide et la mettre à la machine à 30 degrés, il n'y a aucun souci. Je vous mettrai la suite de la vidéo, mais vous verrez qu'en fait j'ai décidé de faire un petit vlog. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo, j'espère qu'elle vous plaît. Je vous dis à tout de suite parce que je reviens juste après. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour mon premier jour de règles. Je suis vraiment dans un état minable parce que comme d'habitude j'ai un flux très très abondant. Je dois me changer toutes les 30 minutes. Avec des douleurs horribles aussi, j'ai été chez le médecin, il m'a donné un arrêt encore. Je suis tellement gênée par rapport à mon travail en fait, parce que je peux pas y aller une fois par mois, et là c'était ma journée pleine demain et je sais que je pourrais pas y aller. Bref, je voulais vous parler aujourd'hui des serviettes hygiéniques lavables. Je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo sur la pilule, retournement de situation, j'arrête ma pilule. Aujourd'hui je vais vous parler de la marque Dans Ma Culotte. Regardez les petites serviettes qu'elles font, je vous rassure, elle est toute neuve, je l'ai encore jamais mise. Je vais la mettre d'ailleurs pour ce soir, pour cette nuit. Elle est immense, j'adore. C'est totalement ce qui me convient en fait, moi c'est vraiment les serviettes immenses qui me conviennent. Je viens d'entacher une autre d'ailleurs que je vais laver justement maintenant à l'eau froide. Moi mes serviettes je les lave à l'eau froide, voilà, j'ai pas de soucis, je les mets pas forcément à la machine, je les lave au savon. En fait c'est surtout aussi parce que j'ai pas le temps de les mettre à la machine pendant mon cycle, ça mettrait beaucoup trop de temps à sécher et à laver et tout. Pendant mon cycle je lave tout à la main à l'eau froide, et dès que mon cycle est terminé je mets tout à la machine, comme ça tout est propre. J'ai aucun souci avec la vue de mon propre sang. Bon voilà, je me suis mis en pyjama, ça va être beaucoup plus pratique pour parler, parce que tout à l'heure j'étais dans la salle de bain en train d'essayer de retenir le sang qui coule, on adore. Pour vous montrer justement ma nouvelle serviette que la marque Dans Ma Culotte m'a envoyée, la nouvelle serviette avec les figues et les agrumes, là je kiffe trop en fait, c'est trop beau, c'est limite trop beau pour être sur ma chenille. Je suis trop moche aujourd'hui, c'est une blague. Donc en fait les serviettes hygiéniques lavables, ça consiste à remplacer les serviettes hygiéniques jetables, puisque je le rappelle, les serviettes hygiéniques jetables sont cancérigènes, il y a des pesticides dedans. Déjà on ne sait pas les ingrédients qu'il y a dedans, je te laisse aller voir la petite vidéo de AIM qui l'explique très bien. De 1, on ne sait pas les ingrédients qui sont dedans. Quand on va voir sur internet, on voit qu'il y a des pesticides et que c'est cancérigène, et ça n'a rien à faire sur tes parties génitales en fait. Donc j'ai décidé de passer aux serviettes hygiéniques jetables. Je me suis tournée vers la marque Dans Ma Culotte qui m'a l'air extrêmement safe, qui est complètement transparente sur les produits qu'elle utilise et sur la composition des serviettes hygiéniques. Et donc dans la vidéo sur la pilule, je vous avais parlé un petit peu de la composition. On va aller la voir, c'était vers la fin de la vidéo. Sans les avoir testées, je vous parlais vraiment du concept, etc. Et là, dans cette vidéo, je vais pouvoir vous dire en fait vraiment ce que j'en pense en temps réel. Alors je les ai déjà testées pour la première fois lors de mon dernier cycle en février, et j'ai adoré en fait, tout simplement j'ai adoré. Hormis le fait que comme j'ai des règles hémorragiques, il m'en faudrait un petit peu plus. Et c'est d'ailleurs pour ça que la marque a décidé de m'en renvoyer une avec les motifs trop trop beaux. Donc je remercie énormément la marque, d'ailleurs dont le service presse, enfin le service client est vraiment adorable. Franchement, je suis rarement tombée sur un service presse aussi adorable, aussi compréhensif. Parce que j'expliquais du coup que dans le mail, je pourrais peut-être pas faire la vidéo tout de suite, faut que j'attende que mes règles arrivent. J'aimerais bien tester le truc, et on m'a tout de suite répondu, mais il n'y a aucun souci, tu prends le temps qu'il te faut pour faire la vidéo. Nous, on veut que t'aies bien testé les serviettes et tout, enfin vraiment trop adorable quoi. Alors j'ai remarqué, limite en fait, que des avantages en fait avec ces serviettes. De une, tu pollues pas. De deux, ça nique pas ta santé. Il y a 2-3 jours, comme j'étais au travail, j'avais pas de protection hygiénique, j'ai préféré mettre une protection hygiénique, c'était la marque, une vieille marque, enfin une marque avec des pesticides dedans et tout, jetable, et comment ça m'a
irritée. Franchement, c'est un truc de malade. J'en avais pas remis depuis 3 ans, du coup, des serviettes hygiéniques jetables. Ça m'a tellement irritée, j'ai cru que j'avais une cystite, c'est un truc de fou. Et ce qu'on retrouve pas, en fait, avec la serviette hygiénique lavable, c'est les odeurs. Déjà, tout ce que ça emmagasine, les odeurs dans des serviettes hygiéniques jetables, c'est un truc de malade. Moi, je me souviens de... À chaque fois que j'enlevais ma culotte pour aller aux toilettes, bah voilà, tu sentais... Tu sentais, voilà, disons les choses comme elles sont, tu sentais que t'avais tes règles en fait. Et là, bah rien à voir en fait, comme c'est vraiment du coton qui absorbe, c'est absolument pas emmitouflé. Moi je me souviens quand j'avais mes règles il y a 3 ans, et que j'utilisais uniquement des serviettes hygiéniques jetables, je me souviens qu'en fait c'était tellement humide, t'avais chaud en fait à l'intérieur, t'avais chaud à la techa quoi. Et là c'est absolument pas cet effet là, tu sens que ça respire en fait, je sais pas, moi j'avais trop chaud en fait. Et là ça respire tellement, tu sens moins les odeurs, avec les serviettes hygiéniques jetables on sent, je me sentais tellement oppressée. Là je retrouve pas ça du tout, c'est vraiment top. Bon, on est à mon 2e jour de règles, comment dire que c'est horrible, genre j'ai un flux énorme, j'ai des douleurs. Et le pire, c'est vraiment mon flux. Là, genre, il est 14h, j'avais pas mangé de la journée parce que j'ai pas faim. Et je sens que je suis faible, en fait. Je perds tellement de sang. Mais quand je dis hémorragique, vraiment, c'est hémorragique. Vous savez même pas, ma salle de bain, c'est une scène de crime. À chaque fois que je me change, je dois tout nettoyer. Je dois effacer les preuves, quoi. C'est vraiment un truc de malade. Heureusement que j'ai pas de soucis avec le sang parce que je sais pas comment quelqu'un d'autre ferait, quoi. Du coup, là, je mange un petit couscous végétarien d'ossie que j'ai trouvé chez Carrefour. J'espère que ça va me redonner des forces. Je vais essayer aussi de manger plein de pistaches, vous savez, des fruits secs qui sont pleins de fer, parce que là, ma ferritine, elle va chuter, mais de malade. Enfin bref, tout ça pour dire que les petites serviettes hygiéniques lavables, elles me servent vraiment beaucoup. J'ai lavé ce matin celle avec laquelle j'étais restée cette nuit. Et celle d'hier soir, elle est déjà sèche, donc c'est vraiment top. Donc voilà, vous avez pu voir un petit peu comment ça se passait. Il y a surtout 3 choses à retenir avec ces serviettes hygiéniques lavables. De 1, c'est le confort, parce que j'ai jamais eu un tel confort, franchement, avec des serviettes hygiéniques jetables. C'est un truc de malade. Tu ne la sens pas, elle ne se voit pas. De 2, le prix, parce qu'on parle pas assez du prix des serviettes hygiéniques jetables, qui est exorbitant quand on y pense à chaque mois, tout ce qu'on achète. Tandis que là, vous investissez, et je peux vous dire que bah, c'est rentable, c'est totalement rentable. Et là, pour l'avoir utilisé sur 2 cycles, en la frottant bien, en frottant à la main, ça ne fait pas de bouloches. J'avais très peur que ça fasse des bouloches, et absolument pas en fait. Vous frottez, c'est un tissu, on voit qu'il est fait pour durer dans le temps. Tu vois vraiment que le truc, il résiste, et même en le frottant, vous savez, pour frotter, pour essayer d'enlever les taches de sang, il n'y a aucun souci, ça fait pas de bouloche ni rien du tout. Tu vois que c'est un truc qui va durer dans le temps et donc économiquement parlant, t'es gagnant quoi. Troisièmement, pour ta santé, ouais, il y a même un quatrièmement en plus. Donc troisièmement, pour ta santé, tu évites les risques de cancer. Tu vas retrouver aucun produit nocif dans les serviettes hygiéniques jetables. Et quatrièmement, pour l'écologie, bien sûr, parce qu'on ne se rend absolument pas compte, mais tous ces déchets-là, c'est du plastique non recyclé qui va polluer la planète. Donc voilà, je t'incite vraiment grandement à aller dans la barre d'infos, juste à aller checker, même si t'es pas encore convaincu, va juste checker déjà, juste leurs motifs, ils sont magnifiques. Va juste checker ce qu'ils proposent. Ils proposent plein de serviettes hygiéniques lavables de toute taille. Donc adapté à tous les flux, c'est super cool. Moi je vous avoue que celle que je mets le plus souvent, c'est les tailles L, donc celle de nuit, parce que j'ai un flux très abondant si vous ne le savez pas. Mais en tout cas je suis vraiment super ravie et pour rien au monde, vraiment pour rien au monde, je ne repasserai aux serviettes hygiéniques jetables, tellement je me sentais inconfortable, je me sentais humide à l'intérieur, je me sentais, j'avais chaud quoi. Comme je le dis précédemment dans mon dernier vlog, j'avais chaud à la chenèque, mais genre vraiment, je vous jure que c'est vrai, c'est tellement humide et puis les odeurs, j'en parle même pas. Là, juste tu déverses ton flux sur une surface totalement saine qui absorbe ton flux et où il ne fait pas 40 degrés à l'intérieur, enfin franchement c'est top. Donc là je suis super contente que ça se démocratise un petit peu. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez déjà testé dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et d'aller checker mon petit uTip, il suffit juste d'aller regarder une petite pub
pour me soutenir dans mon travail et pour aussi me permettre de m'améliorer dans mes vidéos. Vous regardez une petite pub, pas besoin de s'inscrire, ni rien du tout, vous regardez la pub et j'ai 5 centimes qui me sont reversés. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine, ciao.